nous sommes aujourd'hui le lundi 8 janvier. Il est 11h30, je vous amène voir les travaux devant l'église Sainte-Thérèse. Les travaux du mur sont terminés. Il y aurait quelques aménagements certainement à effectuer ici. Ici, c'est un peu la gadoue. Hein. Il a plu, ça se voit. C'est le gadou. Il faut faire attention si on marche là. Ici, c'est un rond-point pour tourner, mais quand il y a des offices, les voitures sont garés ici également dans le rond-point. Et regardez, les automobilistes mettent leur voiture ici. Pas rien que là, on se gare également sur les trottoirs. Et ça, c'est souvent. Quand ils sont terminés, les emplacements sont utilisés comme aire de stationnement pour toute la journée. Probablement que ces voitures appartiennent à des Palois qui travaillent en ville, certainement. Regardez, il y a des emplacements certainement pour planter des arbres. Si des piétons veulent passer, où vont-ils le faire? On se garde n'importe où. Là, les voitures garées sur le trottoir ou devant. Quand il y a des offices, il y en a également encore sur la gauche. Alors où voulez-vous que l'on passe? Et surtout quand il fait nuit. Avant, ici, il y avait une barrière qui a empêché le stationnement sur le parvis de l'église. Et elle était ouverte quand il y avait des offices. Il serait bon qu'il y en ait à nouveau une. Les bancs ont été placés, c'est bien. Et là aussi, il y avait une barrière. Ici également, il y avait une barrière. Il serait judicieux d'en mettre à nouveau une, qui serait uniquement ouverte quand il y a des offices. Voilà pourquoi se défoncer et qu'on marche dans la gadoue. Le petit midi de Bigorre. Voilà, c'était ma vidéo de ce lundi 8 janvier pour vous montrer les travaux devant l'église Sainte-Thérèse. Ils sont presque terminés, mais il y a encore des finitions à faire. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt.